246 sur un deuxième. Action. C'est à Paris, où il a d'abord connu le succès, qu'a débuté le tournage de la série dramatique sur Félix Leclerc. Un personnage plus grand que nature, interprété par Daniel Lavoie. Ah, salut Félix. La fille. Je sais pas c'est quoi, mais chaque fois qu'on me met la perruque, la voix me baisse de deux tons. Sauf que le mercure, lui, ne descend pas depuis deux semaines, alors que l'on tourne dans des endroits non climatisés. À plus de 40 degrés, les comédiens sont mis à rude épreuve. Le plateau est un véritable four, ce que n'avait pas prévu le scénario. C'est tout à fait insupportable, mais coudonc. Car authenticité oblige, ce sont des chaussons, des pantalons et même un maillot de corps en laine que doit porter Daniel Lavoie. 100% pure laine du pays. C'est rien, j'ai pas encore mis la chemise carottée. La série de 4 heures, écrite et réalisée par Claude Fournier en coproduction avec la France, sera diffusée dans un an. Ce sera davantage qu'une biographie romancée. On essaie de faire revivre autant, au fond, l'univers imaginaire de Félix que son univers direct là, avec les gens qui l'entourent. Pour ce rôle, il a repris 29 chansons de Félix Leclerc, de quoi sans doute alimenter une forte tentation de lancer un album double. La tentation est, ça c'est clair, forte. Je sais pas encore. C'était un Québécois, narquois comme tout Québécois. Une chose à la fois, il reste encore près de 2 mois de tournage. Guy Gendron, Radio-Canada, Paris.